La poule à Ndolo, un de la mio, un de la mio, un de la mio, Ndolo, un de la mio, un de la mio, un de la mio. Natanjiwa na pula sese, mumio. La 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 la, Andolamio. Maman, la doyenne était enterrée comme président de la République. Plus qu'un président de la République. Vraiment, Paris. Paris. Je voulais m'adresser à vous aujourd'hui. Je ne fais plus les problèmes avec personne. Les gens, pardon. L'accompagnement de la doyenne a été digne. Cette femme était puissante. Il n'y a du jamais vu en Bénin, à Paris, nulle part, du jamais vu. Oui, du jamais vu. Du jamais vu à la place parisienne, maman. La doyenne a fait fort. Maman, tu as fait fort. Sois fière. Va en paix. Maintenant, on commence pour le Cameroun. Paris a été fait. On commence maintenant pour le Cameroun. Merci, maman Céline, la doyenne. Merci, maman Céline, la doyenne. Tu es partie comme une reine. Et tu es partie comme. Y a des jours comme ça hein, où tu démarres la voiture. Maman, moi au moins, sinon. Moi au moins. Ouais, Fleur de Lys, la reine mère. La maman. L'adresse. Attendez, je mets une adresse là. Ouais, quelqu'un a pris ma place. Oh là là, pourquoi ça ne parle pas? Mètres. Pardon, attendez. Il y a une adresse là. Il faut que. Bonjour, Fleur Choupinette. Bonjour, les abeilles. Je n'ai pas encore dormi. Je vais rentrer dormir tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Je vais rentrer dormir. Je vais dormir tout à l'heure. Paris, Gare du Nord. Saint-Denis. Ah, Saint-Denis. Mettre la place Saint-Denis. La place Saint-Denis. D'accord. Aperçu. Saint-Denis. Saint-Denis. Ok. Saint-Denis. 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 Démarrer. Prendre la direction est sur chemin de halage. Ok. Ma faute, je suis trop fâchée. Tu as Vous trop cherché. Tu étais trop trafic, cherché hier. Malgré un trafic plus Andolamio. Arrivé à midi 7. Midi 7. Andolamio.
Maman, je marche qu'avec les cordes. Il n'y a pas que Fleur de Lille. Quoi? Ah. Facebook, ce n'est pas pour me... Et tu, qui tu es? Maman, j'aime me faire lécher. Ce qui est sûr, c'est que j'adore. Surtout quand c'est doux. Et toi, tu te fais attacher, sale chienne. Ah, dans la mio. C'est mon nouveau manteau. Maman, les cœurs. Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qui sonne? Dans 100 mètres, il y a un truc qui n'est pas fait. Oh, sur avenue du 18 juin 1940. Que quoi? Tu dis que quoi? Sale chienne, tu étais où hier? Pour me montrer que wow, ça ne va pas, non? Tu es sérieuse là? Maintenant, on prépare l'enterrement au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va ouvrir le cahier des blogueuses. Parce que ça ne sert à rien. Vous venez là taper la bouche. Regarde-moi l'autre. Elle porte le chapeau bleu de 1 euro pour venir raconter que quoi? Gros nez. Gros nez a posté quoi? Ouais, gros nez. Ça veut dire que quand il te voit comme ça, il dit seulement que ouais. C'est l'odeur de la doyenne, elle appuie dans un coin, elle appuie dans un couloir. J'appuie, c'est-à-dire que je te mets ces mains là dans un couloir, mais un jour on va se croiser. Ce n'est pas l'odeur de la doyenne que c'est pas là-bas qu'il devait avoir les prises de tête des vieilles chouettes de Facebook. Est-ce que on l'a accompagnée? C'est une femme joyeuse, elle était accompagnée comme il se doit. On t'a mis à Lourdes. Ah bon, hein? C'est bien, non? La lourde, ça fait... C'est moi qu'on a attaché, maman. Hein? Le boss, il a lourde, hein? C'est bien. Oh, oh, oh. Maman, j'ai vu une là. Rodiane, tu gesticulais, tu tournais, tu croyais que tu peux me calculer? Tu tournais devant moi que tu es mon gars, maman. Prendre à gauche sur quai de la Marine, B1B. Donc tu tournais, elle, je la voyais même pas. Donc elle voulait se faire voir devant moi. Les femmes là, elles aiment se faire voir devant moi. Vraiment. Hein? Attache-moi chérie. Puisqu'on me dit que toi là, continue. Toi qui faisais le waka dans les bois de pastèque. Dans les champs de pastèque en Italie. Tu as trouvé ton mougoupan qui t'a pris pour dire que viens t'asseoir ici à Paris, comme le loyer est cher, tu ne payes pas le loyer, n'importe quoi. Regardez-moi ça, et c'est ça qu'on dit qu'on habite à Paris. Viens sapac, grosse vache, je suis plus mince que toi. Je suis plus mince que toi, ce qui est sûr. Je suis mannequin devant toi, lent. Mais c'est la belle qui m'a fait les beignets manioc, j'ai partagé là-bas, tout le monde a mangé, merci ma mère. Le Hermon au bon. Qui m'a fait les beignets? Les beignets de manioc, j'ai partagé. Toi, la vieille waka, des champs de pastèque et les champs de tomates de l'Italie. Hein? Pourquoi tu n'es pas venu devant moi? Vous avez parlé ce que derrière Facebook. J'ai dit que je veux calculer comme une. Ce n'est pas moi la force. J'étais là avec Mako. Oh, choucré des choucrés. Maman Chouka était là, entourée jusqu'à maman. Chouka était là, entourée jusqu'à. Comme je l'ai vu, il y avait une fille qui m'insultait tout le temps sur Facebook. Vous savez, Facebook, si hein, quelqu'un t'insulte sans te connaître. N'oubliez pas, blessé de guerre. Blessé de guerre. Blessé de guerre. Maman, je suis partie, moi, là-bas au deuil avec mon cabas que j'avais acheté à 150 euros. Ma faute est faite. Personne ne te calculait. Ah bon, hein? Ah bon? Personne ne me calculait. Pourquoi tu ne t'es pas levé pour dire que personne ne me calculait? Est-ce que j'ai besoin qu'on me calcule? Je suis star, je sais qu'on me regarde, je sais qu'on me calcule. Donne-moi l'auto-école si. Toi, tu dis que quoi? Que personne ne me calculait. Est-ce que c'est qui la star? C'est moi, non? Est-ce que j'achète la Starmania? On ouvre le cahier des blogueuses. Le président Harry Mamouza, la diaspora ouvre le cahier des blogueuses. Elles ont cotisé combien? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aller dans les deuils, tourner, monter, je suis parti à domicile. Et une abeille me prend le billet, là, je m'en vais au Cameroun. Mais bon, je ne vais pas aller au Cameroun juste parce que
Je sais pas pourquoi, parce que je suis rentrée il y a pas longtemps et je trouve pas important pour moi d'aller au Cameroun maintenant. Voilà. J'ai fait ma part ici à Paris. C'est bon. Donc je ne trouve pas nécessaire pour moi d'aller au Cameroun. Qu'elle soit bien. Ouais. Il y a un truc là, quand je fais le direct, ça vient sur mon téléphone. Oh là là. Donc je ne trouve pas nécessaire pour moi d'aller en Afrique. Vu que voilà, j'ai fait pour moi à Paris. C'est bon. Hein? Donc je ne trouve pas important pour moi d'aller en Afrique. Les gens qui vont aller en Afrique vont aller en Afrique. Il y a ceux qui n'étaient pas là ce soir parce qu'ils sont probablement programmés pour l'Afrique. Franchement, du jamais vu dans la vie. Je pense qu'il faut être ouvert aux gens. Il faut aimer le monde comme Céline Ladoyen a aimé les gens. Oui, il faut aimer les gens parce que Céline Ladoyen aimait les gens. Et ça s'est vu à son enterrement, franchement. Ça s'est vu à son enterrement. Cette femme, je pense que les restauratrices de Paris, vous devez prendre l'exemple sur Céline Ladoyen, à donner souvent à vos clients sans demander l'argent. Parce que cette femme donnait, une femme qui partageait. Je ne peux pas donner en comptant. Jamais. Elle dit que non, du jamais vu. Une salle de 2000 places, là, on s'en debout, il y a au moins 4000 personnes. La boisson à gogo. Mais ma lèvre, si j'ai acheté ça là tout à l'heure. Maman Céline Ladoyen, que le Seigneur t'accompagne. Sois fière. Tu es bien parti. Il y a beaucoup de gens qui ne partiront pas de ta manière. Je suis sûre que tu n'as pas souffert. Que le Seigneur t'accompagne et que tu aies un repos doux. Voilà, repose en paix. Ton fils que tu as laissé, qui est le restaurant Ladoyen, nous, on va faire tourner le restaurant Ladoyen, sauf si on me chasse là-bas. Mais qui peut même d'abord me chasser? Donc, le restaurant Ladoyen, le bon Dolet, elle a dit, elle a laissé son fils, qui est Ladoyen. Elle a trois filles et un fils qui est le restaurant Ladoyen. Et le restaurant Ladoyen va continuer. Le restaurant Ladoyen va vivre. Hé, hey, c'est pas ici. C'est loin. Ce sont des gens aussi bêtis. Je suis à Saint-Denis là. Donc le restaurant Ladoyen va continuer à vivre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi la bière à 11? Ça fait quoi? Ça part dans ton ventre. Ladoyen est parti avec quoi? Avec son vin qu'elle buvait. Arrêtez souvent de faire que quand vous voyez que quand vous voyez boire à 11, ça fait quoi? En quoi ça te dérange? Hein? En quoi ça te dérange que boive à 11? C'est ton problème. C'est ce que j'aime, je bois. Arrêtez souvent de vouloir trop dire aux gens que vous buvez trop, tu bois trop, tu bois, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Les vrais alcooliques qui sont là dans les poubelles ici en Bengantene, ils ont un problème. La meilleure bière, mais je n'aime pas trop. Oh, merci à ma fille. Merci à ma fille Naomi Jaguar. Merci à ma fille Atalaku Bibiche. Merci à toutes mes filles. Merci. Ma fossile, la police t'attrape au volant avec la bière. C'est toi qui vas appeler la police. On vous connaît. Tu vas leur donner l'itinéraire que si. Dis plutôt que j'ai la corde au cou. La vie est trop bonne, maman. Je ne mets pas la corde parce que je veux dire. C'est pour y a le yamo de l'attachement. Personne ne te respecte, tu forces l'amour. Maman, toi aussi vas forcer ta part d'amour, non, chérie? N'est-ce pas, tu forces aussi ta part d'amour? Donc, je force l'amour. Ce n'est pas grave, papa. Je veux sauf que forcer l'amour, non. Dans la vie, il faut forcer, non. Demain, c'est blessé de guerre. Si tu n'as pas mangé chez toi, que tu as faim, viens te plaindre à la reine, mais on te fait passer à la télé et ta femme commence à faire le riz sauté ou le macabo malaxé avec le mbunga. Tu manges. Que de rester sur Facebook, faire les commentaires. Les commentaires que j'ai une tournée américaine à faire. Merci, chérie. Quelqu'un, Benzinha. Ouh, la star. La star. La star. Voilà une star qui m'aime. Je salue Adelina qui est à Paris. Adelina, ce soir on va au refuge. Adelina, je salue ma fille Adelina de Bruxelles qui était là.
Ce soir, c'est le refuge. Le refuge, a... vous savez, le refuge. Mais c'est quoi, non? Monsieur, qu'est-ce? Il y a un problème, s'il vous plaît, je peux passer? On peut rouler là? Ah, il n'arrive pas. Des bis. Oh, on a besoin d'un Congolais. Il a fallu pour pas. Il a. Confie au Lomide, il ne t'a pas oublié. Il y a ton dossier. Je t'ai pas oublié, mais tu as les problèmes maintenant jusqu'à. Papa n'a Kofi. Yaya. C'est comment? La corde marron. Quand je mets ça, ouais, sans l'excitation jusqu'à. Mon pistage. Mon pistage fait zzzz. Je sens le pistage. Mon pistage est en train de taper dedans. Maman, la corde est excitante. Hein? Mon pistage fait comme si. Je suis excitée par mon trou du cul. Des mamans. Mais ça, mes cœurs. Mes amours. De joie du derrière. Maman. J'ai dit que même dans les pires moments de la pimenterie, je n'ai jamais vu une noix qui se fait attacher, maman. Et c'est que les noix attachent les blancs. Attendez un peu. J'ai une question à poser aux filles qui se font attacher. Hein? Quand tu te fais attacher, j'ai une question. Hé, hey, ma copine, maman Pépé, oulala, oh là là. Ce soir, on va aller manger au refuge, non? Maman, j'ai les rendez-vous. Il y a ma soeur, Dorine. Ma soeur Do, qui m'a l'air de rendez-vous pour aller. Maman, je vais manger. Quoi? Flore, je dis, vite ta part. La seule Camerounaise qui a la piscine à Paris, chez elle. Maman, je suis une gringo. J'entends qu'il y a les vidéos où je suis en train de faire l'amour. Mais envoyez-moi, je vais écouter. Ça va m'exciter. J'aime ça, moi, je suis salope. Je suis une cochonne. Maman, ça dit qu'on m'a fait le bilan de chaque blogueuse. Parce que j'ai mon permis de conduire. Maman Pépé a sa voiture, elle a son permis. J'ai le permis, j'ai 43 ans. Les gens qui passent le temps augmentent mon âge et que je suis vieille. Je ne suis pas vieille, mes chers frères et sœurs. Je suis une fille qui voit encore la lune. Et qui prend encore bonne. Je vois encore la lune. Je ne comprends pas comment les gens me sabotent que je suis vieille. Je suis vieille avec quoi? Regardez, zéro botox. Est-ce que j'ai les rides? Hein, les gens? Hein? Ça veut dire quoi? On me sabote que je suis vieille. Les Bosangi, tu dis que je suis vieille. Je croyais que tu venais au deuil, comme tu es une star. GG Coco, ma soeur chérie, c'est comment? C'est comment, soeur? La tingama? Je ne sais pas si tu es bisouté ou pas. Je ne sais pas si tu es bisouté ou non. J'ai vu ton dragueur. J'ai dit que c'est moi qui ai barré pour la gnasse. J'ai dit oh, à ton dragueur qui t'avait dragué là, que j'ai dit que moi, je suis comme maman Pépé, fais le Congo, ça je dis. J'ai dit que hein, le gars n'a rien. J'ai dit oh. Alors si maman, ah, on est plus là. Hé, hey, Choukré était là hier, maman, j'ai attaché Choukré. Mais je suis partie avant, parce que Choukré était avec une bande là. Dans la bande là, il y a une fille qui me déteste parce qu'elle me donne le poison. Donc j'ai préféré partir, maman. C'est comment non? Mon carburant va finir, maman. Le carburant est cher. C'est comment? Non, il va sortir la voiture. C'est quoi? Mais c'est comment non? Oh, malchance. Mon frère. C'est quoi? Oh, c'est pas possible ça. Attends, mon, le carburant est cher. Oh, tu marchais hier. Comme une mannequin. Hé, hey, sang, mon frère. Je dis que je suis mince. Oh, ma baisse d'amour. Les gens qui disent que Flore, je suis mince, maman, je ne veux pas. Tu as un gars qui est maigre. Je ne veux pas être mince. Je suis bonne. Je veux la, j'ai la chair. Les conneries que tu gnasses avec un gars, ces côtes te font mal là. Les positions qui t'appuient, les côtes te font mal. Tu connais le genre de la gnasse que le gars. Tu dis que prends-moi quand le vrai. Tellement ses côtes, ses os te font mal. La maigreur de ça. Je ne veux pas être mince, maman. Je ne veux pas être maigre. Je suis bonne comme ça.
Je suis bonne comme je suis. Je ne veux pas être genre une fille mince. Maman n'est pas où avec la maigre. Une mafo doit être imposante. Quand quelqu'un te fait ça, tu pousses ses mains à un côté de, fesse, de la fesse. Je ne cherche pas de problème. Hein. C'est que hein, les gens cherchent trop. Ouais, non. Sincèrement, moi, je ne suis pas quelqu'un. Je ne suis pas une fille méchante. Je ne connais pas la méchanceté. Je ne connais pas le mal. Même à travers les réseaux sociaux, même si on ne se connaît pas, on peut déterminer une personne. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est une blagueuse, hein, tu vois. Mais je sais que dans mes blagues, je peux blesser beaucoup de gens. Mais la vie est faite ainsi. Mais dis que avoir la haine que tu veux que quelqu'un... Non, c'est pas possible, quoi. Tout ce qu'elle va en ce moment, c'est qu'on m'attache. C'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous sur la page. Si maman, pardon, envoyez les étoiles. Ne veux manger quoi? Ma faute, tu as apporté le cabas de la Réunion. J'ai payé avec mon argent, non? Mangada n'a pas fait un mois ici avec... Mangada n'a pas cuisiné avec le cabas ici. Et si tu parles même, je prends les ciseaux, je déchire le cabas en direct. Je découpe ça. Parce que c'est de mon argent, je peux couper. Mais tu n'as pas au courant que moi j'ai coupé, j'ai découpé la pièce d'identité. Et c'est sur camerounaise. J'ai découpé ça, c'était vie, c'était à périmer. Les gens ont raconté, on a dit que mais attends, normalement, mais elle doit jeter, elle va découper avant de jeter. Oh, Julie, Julie, ma belle soeur chérie, tu me salues mon frère, non? Tu dis que tu attends tous les beignets, ma, tu es une blanche, non? Est-ce que tu manges les beignets comme ça, n'est-ce pas? Tu attends que l'occasion. Je vais te faire les beignets manioc. Maman, il faut voir comment j'ai fait mes beignets. Je suis venue avec les beignets de plastique. Les gens ont aimé jusqu'à. Claude, tu aimes la cuisine. On t'a seulement maudit avec ça. Non, je ne suis pas rancunier. Pourquoi? Non. Non, je ne suis pas rancunier. Je n'ai pas avalé. Hein. Je ne tousse pas, j'avale jamais. Comme les gens qui pissent dans la piscine là. Quand quelqu'un pisse dans la piscine, bon bref, j'ai pensé à la piscine parce que je voulais la piscine. J'ai pensé que les gens pissent dans la piscine, non? Et les pipis de la piscine, ça chauffe. Vraiment, les piscines publiques là. Les piscines, mais j'ai pensé que. Il pleut, j'ai pensé comme quand on partait au champ. Maman, quand tu pars au champ là, parce qu'il pleut, c'est pour ça que j'ai pensé. J'ai pensé, il est en train de pleuvoir. J'ai pensé, quand il pleut, non, que tu pars au champ, maman. Et ce, si tu avais pissé, tu vas te déshabiller. Non, tu pisses une fois, ça chauffe ton corps une fois, non. Qui n'a pas encore fait ça? C'est que vous ne connaissez pas la vie. Claude est villageoise, j'accepte. Hé! Hey! Maman Saint-Denis. Et Jean, je mets même le direct comme ça. Vous savez que je vais seulement entretenir, taper le divers pour rien, non. Je n'ai rien à dire, honnêtement. C'est seulement pour animer ma page. Pardon, abonnez-vous. Oh. Abonnez-vous. Merci à Joël Marceau. Tu es courageuse, Massa. Tu ne me... Je suis un enfant de Ndogbat. Quand on te parle de Ndogbat, tu ne connais pas. Est-ce que je... C'est que machin. J'ai dit que... Tu parles encore trop du cabas. Je prends les ciseaux, je découpe. C'est mon argent, non? Ça, tu peux, tu jettes à la poubelle si tu veux. Tu parles encore, prends les ciseaux, découpe le cabas. Mais toi, chic, c'est bon. C'est comment? Depuis que tu cherches la Stamania avec mon nom, tu as eu. Ne sois pas comme les Borsang. Après 50 ans, c'est où elle commence à avoir un peu de Stamania. Il faut travailler, hein? La Stamania, c'est que vous voyez, c'est la chance. On fabrique, mais il faut avoir la chance aussi, hein? Parce qu'il y a des gens qui ont fabriqué, ça ne donne pas. Les gens sont là, je ne suis pas suffisant. Ouais, c'est pas possible. Oh. 20 Baltimore. Et je donne mon programme, mon affiche pour ma tournée 2023 va sortir. Pour tous ceux qui souhaitent m'avoir, vous contactez mon manager, mon billet d'avion et mon cachet. J'ai eu le prix de la meilleure blogueuse de la diaspora 2022. Au Créterium, pas les histoires du quartier qu'on donne derrière le quartier, pas les prix de corde. J'ai eu le prix du Créterium 2023, donc mon cachet a augmenté.
Si on me payait 3000 euros pour une participation, pour une apparition, maintenant c'est. Si on me payait 2000 euros, maintenant c'est 3000. Parce que j'ai eu le prix. J'ai eu le prix de la meilleure blogueuse. Le prix du crétorium. Un prix sûr. Ce n'est pas le prix derrière les toilettes là. Ce n'est pas le prix derrière les toilettes. Maman parle du crétorium, maman. Où il y avait tous les grands hommes d'affaires. Pas les conneries. Où se retrouve plusieurs gnasseurs dans la salle. Pas les soirées où se trouvent plusieurs gnasseurs dans la salle. Non. Le crétorium. Avec les grands frères. Pas les prix des membres du village. Non. Ce n'est pas les prix des membres du village. Non. Le prix du crétorium. Donc mon cachet a augmenté. Si je prenais 2000 euros pour la parution, aujourd'hui je prends 3000. Plus mon billet d'avion, mon hébergement. Voilà. Et les gens qui viennent souvent me proposer les 800 euros, les 500 euros, là, arrêtez ça. Hein. Je m'habille à combien? Je me maquille à combien? Vous croyez que quoi? Que ma vie s'est tournée et boit. Je reste, je me bois mes champagnes. C'est quoi? Les gens m'appellent Maf. C'était avant, quand j'étais encore en train de confirmer ma star mania. Allez donner ça là-bas en face. Il y a quoi? Ouais, je ne peux pas parler sans crier. Je vais parler doucement. Ce n'est pas ma vie. Crier comme ça, ce n'est pas moi. Donc, je disais que... Laisse le bavardage. Tu étais censé nous faire le direct. Papa, c'est toi qui payes ma connexion. Donc, toi, tu n'as pas dormi. Tu n'as pas vu le direct. Mon portable s'est éteint. Je n'avais pas de batterie. Donc, j'étais en train de dire que ma tournée 2023... Déjà, le 21, je suis en Suisse, à Genève... L'incroyable anniversaire du présent Djibril. C'est une soirée privée. Ok? Une soirée privée. Donc, on va dire, je vous donne mon. Vous notez, hein? Il faut noter. Parce qu'il ne faut pas se mettre star derrière Facebook. Moi, j'ai mes papiers, je suis française. Je peux aller où je veux. Et je peux aussi aller là où. Ma faux. Ta page, si est restreinte. Non. Encore. Ah. Maman, mettez seulement les cœurs, non? Le 9 de Facebook. Donc, du coup, j'étais en train de vous dire que... Je vais parler, hein, je suis en France. J'étais en train de dire, ouais, c'est pas possible. Saint-Denis, c'est vraiment la connerie. Alors, il y a un bus devant et ça ne circule pas. Ah, oh, c'est une femme qui conduit. Ah, oh, c'est une abeille. Oh, courageuse abeille. Alors, j'étais en train de vous donner mon planning, ma tournée 2023. Alors, le 11, le 21, je suis en Suisse. Le président Djibril, l'incroyable anniversaire du président Djibril, on boit que les Dom Pérignon, les Dom P, les champagnes des milliardaires. Les Dom P, c'est une soirée en blanc et en rouge, d'accord? C'est son thème. Ça sera de la Chima Menu. Je venais vous aller dire. Au mois de mars, je suis à Washington. Je suis au Maryland le 3, bon je vais arriver le 2 mars hein, pour la soirée qui aura lieu le 4 au Maryland aux États-Unis. Le Maryland aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas, le Maryland c'est comme New Bell. Le Maryland c'est où tous les Camerounais, certains que quand la W fonctionnait encore, ont traversé pour les États-Unis. Donc c'est le Maryland, c'est le seul état où tu te mets à la fenêtre, tu demandes le cube chez le voisin en face. Que Marco, pardon, tu as encore le cube là-bas chez toi, tu as l'huile du village, ton coquille, tu as le coquille, c'est au Maryland. Tous les Camerounais sont là-bas. C'est le seul état où tu ouvres ta fenêtre, tu dis, pardon, envoie l'enfant me donner le sel, le reste du cube là. Donc c'est au Maryland. C'est une façon de dire que la communauté camerounaise est vraiment fortement représentée dans le Maryland. C'est comme ça. Là-bas, la communauté camerounaise est vraiment... On vend les baies. Mais ce n'est pas comme Paris. Hein. Les États-Unis, c'est le rêve, c'est mes cœurs. C'est pas comme Paris où on vend les baies coquilles en route, tout ça là. Non, aux États-Unis, non. Les États-Unis, c'est un autre level. Si tu n'as pas encore été aux États-Unis, franchement, les États-Unis, c'est un autre monde. Hein. Les États-Unis, c'est waouh. Moi, je vais aux États-Unis depuis 2006 hein, que j'ai commencé à aller aux États-Unis. Oui, Atlanta. Non, je donne mon programme. Donc, le 3,
Je pense que le 2, je vais arriver aux États-Unis pour la soirée du 4 mars à Washington, au Maryland, d'accord? Ça, c'est le 2 mars. Le 25 mars, j'ai une soirée à Caen, en France, où je vais accompagner l'artiste Mama Catino. Ça, c'est le mois de mars. Il y a la soirée aussi de Christelle Ketcheux à Paris. C'est une fille que j'adore parce qu'elle est très tranquille. Ça, c'est au mois de mars. Si vous voulez me réserver pour le mois de mars, n'hésitez pas. Moi, j'ai refusé certains trucs au mois là, en février, parce que j'estime qu'on doit respecter la star que je suis. Pour aller à une soirée, je m'habille minimum. Je dépense au moins 700 euros. Donc, moi, je vais laisser ma mère pour aller boire le vin ou bien pour prendre l'avion. Je n'ai pas encore voyagé, quelle qualité de voyage. J'ai fait le tour du monde, gars. Donc, apprenez aussi à me donner quelque chose que non. Vous me donnez quelque chose que ça puisse même m'aider. Je paye mon loyer. Je paye même encore la nourriture à la maison. Quand même, il faut que mes week-ends doivent être occupés. Et pas occupés seulement pour aller boire le jour. Quand j'arrive aux soirées, vous voyez, je donne toute mon énergie. C'est mon truc. Je suis disponible à faire des photos, à sourire. Je ne sais pas. Vous voyez, je suis là. Je suis joyeux. Je donne de la chaleur. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est mon comme ça et c'est comme ça. Donc, au mois de mars, j'ai deux événements déjà. Avril, je repars à Washington, à Boston. Pardon, aux États-Unis, à Boston. En avril, je ne vous donne pas la date, mais c'est début avril, confirmé déjà. Parce que c'est une trop grosse surprise. C'est une surprise, ça ne se dit pas. Je vais à Los Angeles. Hein. Donc, au mois d'avril, je suis à Los Angeles. Hein. Avril, Los Angeles. Le même mois d'avril, j'ai quoi encore? J'ai regardé mon agenda. Je sais que le 4 avril, j'ai une soirée à Los Angeles. Une soirée surprise, vraiment privée. Hein. Parce que vous pouvez m'organiser aussi dans les privés. Si vous voulez manger avec moi, vous voulez dîner avec moi dans une soirée. Si vous voulez qu'on aille dans un restaurant dîner, c'est 1000 euros. Hein, pour aller dîner avec votre star que je suis. Si vous voulez me recevoir chez vous, hein, que ma reine mère me recevoir, c'est Colofap. Vous voyez un peu, les prix sur la case des prix. Et là, n'est-ce pas, il faut travailler, c'est mon travail. Et puis, j'ai fini avec au mois de mai. Le 28 mai, le 28 mai, je suis à Londres. À Londres, à l'événement de Vaninou. Vaninou, hein, Vaninou. Vous connaissez très bien, qui fait des épices, dont le 28 mai, je suis à Londres. Le 2 mai, le 2 juin, je suis à Chicago. Chicago, c'est aux États-Unis. Donc, pour une soirée qui aura lieu, je pense que la soirée aura lieu le 6 mai. J'arrive sous 2 jours avant. Hein? Donc, du coup, à Chicago. Donc, le 28, je suis à Londres. Le 28, je suis à Londres. Le 2, je vais à Chicago. Hein, à une soirée, un événement pour la Menoi. Hein. Merci de m'avoir invité. Merci vraiment. Merci infiniment à la communauté Menoi de m'avoir invité à Chicago. Ça serait la première fois que j'arrive à Chicago. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ma, faut-tu faire comme Beyoncé, le tout aussi? Bien sûr. Donc, je vais poster l'affiche de mes soirées confirmées. Une soirée confirmée, c'est une soirée où on m'a déjà donné une avance et acheté mon billet d'avion. Donc, c'est ça qui fait qu'on va valider. Donc, mon manager, Yannick Siné, mon manager, va faire une affiche avec toutes mes soirées et les endroits où je vais aller. Et vous allez voir, ah, j'ai autre chose, c'est qu'on tourne dans les bateaux de riches là, on appelle ça quoi? Quand tu vas tourner en bateau de riches là, quand vous montez dans un bateau luxueux pour aller faire le tour là, croisière, voilà. J'ai une croisière aussi, je vais regarder la date de croisière, la croisière là, j'ai une croisière, hein. J'ai une croisière. Il y a une autre croisière. Ton manager là travaille même quand. Donc du coup, j'ai une croisière aussi. Ça s'appelle la croisière avec une milliardaire. On va en croisière pour 10 jours de croisière. On va faire les Bahamas. On va faire
Donc on va faire les Bahamas. On va faire où il y a tous les Antilles là. C'est où? Miami. On sera aussi à Miami. On sera à Palmas de quoi là. En fait, j'ai déjà le truc hein. Mais maman, je ne sais pas nager. J'ai les quand l'eau, j'ai peur de. J'ai peur de l'eau. Ouais, maman. Ouais. Ouais, maman. Ouais. La reine mais pas là une star. Oui, c'est une croisière avec un très grand casino dedans. Et la personne m'a déjà invité. J'ai été à Atlantic City aux États-Unis. Vous connaissez, c'est une ville où il y a beaucoup de casinos. Et c'était magnifique. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a fréquenté des plus beaux hôtels. Mais moi, je m'adapte partout. Hein. Si j'arrive chez toi, on dort par terre. Moi, je dors par terre. Hein. Je n'ai pas de problème. Donc, voilà quoi. J'ai pas de problème par rapport à. Non, j'ai pas de problème. Je m'adapte facilement, en fait. Donc, je fais les plus grands hôtels dans le monde. Hein. Et puis, j'ai un truc aussi au Nigeria. Normalement, je suis invitée au Cameroun pour un truc au mois de mars, là. Mais vous savez que quand tu vas dans ton pays d'origine, c'est toujours que les dos, maman, quand tu vas arriver, c'est là où les gens ont les problèmes. Vraiment, les gens de l'Afrique, là, vous nous faites fuir. Hein? Mon frère, parce que moi, je veux bien venir, on me paye tout. Mais le problème, c'est que tu vas arriver, la famille, c'est où tu arrives que les gens ont le palu, mon frère. Quand même. Non, mais attends, vous nous faites fuir. Là, maintenant, on m'a invité. Merci, madame la ministre. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment pour l'invitation. Mais le problème, c'est que la famille, quand tu arrives là-bas, c'est là où ils ont trop faim. C'est là où Eneo va venir couper la lumière. Tout ça, là aussi. Moi aussi, ça me décourage. Hein? Le tramway de Saint-Denis, c'est ça. Le problème, c'est que on peut bien venir au pays. Je peux me lever, je viens, tout ça. Mais, gars, hein? Le problème, c'est que tu vas arriver, c'est là où tout le monde a les problèmes. Tu fais comment? Ça nous fait fuir. Moi, je comprends, hein? C'est qu'ils ne vont pas en Afrique, là. Je peux comprendre. Les gens trouvent les problèmes. Et ça nous décourage. Est-ce que j'ai donné mon programme de juillet? Oh, ne me klaxonne pas, putain. Ne me klaxonne pas. Tu me klaxonnes. Vas-y, saute et cale en l'air. Vous avez vu ces cassants, là? Et alors? Ben, moi, on ne me met pas la pression. Hein. On ne me met pas la pression. Je suis désolée. Dans la conduite, il ne faut pas écouter ceux qui klaxonnent là, les nerveux là. Dans 100 mètres, au rond-point. Tout sur ma Saint-Denis, c'est un endroit où les Africains, c'est les Arabes, les Africains ne respectent rien. Tu vois, donc du coup, moi je ne vais pas me prendre la tête à. Moi j'ai la priorité à droite, hein. Mais lui, il fait quoi? Il veut passer. Sa priorité, c'est qui? C'est moi. Voilà. Moi j'aimerais envoyer un message à mes détracteurs. Parlez de moi parce que vous voulez vous faire connaître, vous voulez la star manière que vous avez toujours fait. Mais ne parlez pas de moi parce que vous voulez qu'on me déteste. Parce que on a d'ailleurs tout compris. Vous êtes jalouse de moi. Moi j'ai dit qu'il faut seulement aller même arranger même les tombes. Pour ceux qui n'ont plus leurs parents, arrangez même les tombes de vos parents. Rien. Je vous ai dit qu'en Afrique, je vis bien. Et quand vous allez m'énerver comme ça, c'est où je vais poster encore notre maison que j'ai filmée. Oui, quand vous avez, là où je vais venir encore poster maintenant l'intérieur. Parce que vous êtes tellement jalouse, je ne sais pas pourquoi. Mais votre bilan de la pimenterie, vous avez fait quoi? Toutes les femmes sont les waka. Car quand un gars te drague, là, il te donne quelque chose, non? Tu es une pute, oui ou non? Tu couches avec lui ou non? C'est ton mari, non? Peut-être tu as même déjà quelqu'un, mais ce n'est pas intérêt. Donc bon, vous avez donc fait quoi de votre argent de la pimenterie? Acceptons même que... Il y a eu pimenterie. Mais vous avez donc fait quoi de votre argent? Donner aux hommes. On peut donner aux hommes et s'entretenir soi-même. Vous avez fait quoi de votre argent de la pimenterie? C'est quand il n'y a plus rien dehors que vous avez des projets. Tu peux faire les projets en comptant sur Facebook. Je suis désolée. Moi, je ne suis pas monétisée depuis. Et même quand j'étais monétisée, ça me donnait quoi? Il n'y a que mes étoiles là que vous me donnez souvent là que ça va revenir. Hein? Sinon, mon frère, vous me jalousez pas. Vous croyez que vous allez raconter, elle est lesbienne, elle est si, c'est où les gens vont me détester. Ben non, si c'est ma vie. Hein? Et même vous mettez les choses sur ma tête que je ne connais pas cette vie.
vous raconter des trucs, des choses sur ma vie. Putain, mais c'est pas possible. Moi, c'est juste que je suis pas une fille frivole. Je suis très fidèle. Je suis arrivée en France en quelle année? Je peux compter le nombre d'Africains avec qui je suis sortie. Il n'y a que eu le boxeur et un prêtre, Pasto, qui est devenu, quand il était avec moi, il n'était pas Pasto. Il est devenu Pasto. Et la relation a duré combien de temps? Et un chanteur là, hein? Vous voulez parler de quoi là? En combien de temps? En plus de 20 ans d'Europe, j'ai eu 3 relations avec 3 Africains. J'ai mal fait. Hein? J'ai mal fait. Si j'ai eu 3 relations avec 3 Africains, qui a même duré d'abord combien de temps? Hein? Gars. Non, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Il y a eu quoi? De Saint-Denis. Oh, il y a du monde à Saint-Denis. Je vais garer où? Ouf. 12 minutes. Non, arrêtons un peu. Vous êtes jaloux, vous accusez tout le monde de faire la pute. Ce sont des filles qui font aussi. Mais vous avez fait quoi de votre argent? Vous sabotez pour rien. Et puis des filles qui fantasment sur moi. Vous fantasmez. Moi, je comprends pas. Vous fantasmez sur moi, je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas refuser. Je suis excitante, je suis bonne. Donc, je ne peux pas dire qu'on ne fantasme pas sur moi. Je suis star, même Beyoncé, on fantasme sur elle. Si quelqu'un fantasme sur moi, il prend son pied. Je vais défendre ça, maman. Je vais défendre ça. Ou bien, moi, je ne suis pas contre. Nous sommes dans un pays de liberté. Hein? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est moi en respectant les autres. Je ne suis jamais entrée dans vos chats. C'est vous qui entrez dans mes cuisses pour voir si j'ai les boutons. Hein? Quelle femme n'a pas encore eu les boutons? Parfois, quand tes mensues arrivent, parfois tu as les allergies. Hein? Quelle femme n'a pas encore eu les imperfections? Ou les écarter mes jambes pour voir si je suis poilu ou pas? Moi, je ne suis pas poilu. Moi, je rase. Je m'épile. Hein? Je m'épile. Je ne tresse pas comme certaines personnes qui mettent le black dans les fesses et machin, tout ça là. Je n'ai pas besoin que quand mon gars descend à la cave pour me caver, que ça devient le genre qu'il prend le cul dans. Hein? Je n'ai pas besoin de ça. Le cul dans que la cave, le cul dans. Beaucoup de filles, elles sont là. Je vous ai appris à vous laver. Je vous ai appris à mettre du rouge à lèvres. Je vous ai appris à vous maquiller. Une femme doit être coquette. Une femme doit dormir le soir et mettre un parfum pour sentir bon. Parce que même l'odeur que tu sens bon, ça tire ton gars vers toi. Même dans tout ça, vous me détestez toujours. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Je vais traîner les cordes ici pendant 3 mois. Dans chaque direct, j'ai la corde. La personne qui peut, j'ai dit, vous savez, je ne cherche pas les problèmes. Hein? Je ne cherche pas les problèmes. Ma photo était au deuil. Le chanteur était au deuil. Ça fait quoi? J'étais demandé de dire où s'il était au deuil. Céline était très aimée, vraiment. J'ai vu le général Marcel, j'ai vu Camoua la Panthère qui était là. Il y avait les gens de la basse, il y avait les gens de tous les bords politiques. Hein. Franchement, la doyenne était quelqu'un de bien. Un big up à Camoua. Je n'étais pas saluée parce que j'ai vu une gala qui te guettait comme si c'était madame. Je n'aime pas moi les problèmes. Les hommes mariés, pardon, quand ils sont avec un homme marié, enfin, je suis même jamais sortie avec un homme marié, mais si ça arrive, je vais raser les murs. Je rase les murs. C'est ça qu'on demande aux vieilles sapins ou aux hausses, là, qu'elles sortent avec les maris des gens, respecter les femmes qui sont dedans. Parce qu'une femme mariée reste une femme mariée, n'en déplaise, elle a sa bague. Non, mon cœur, je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Mais ces filles doivent apprendre, elles doivent savoir que eux et moi, c'est pas pareil. On n'est pas pareil. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous sommes pareils? Non. Nous ne sommes pas pareils. Oui, Inès, c'est ça. Tu étais là, non? Vieux bordel. Tu étais là. C'est toi qui étais assis à côté de lui. Je connais ton gouvernement, hein? Il fallait venir devant moi. J'allais te claquer. Un temps tu es avec moi, un temps tu es ailleurs. Je te vois, tes trucs, pardon, je prononce, je te fabrique, mais pourquoi? Francis, c'est vrai, je t'avais bloqué avant. Ici, là, tu n'es pas débloqué, donc fais très attention. Vous savez qu'elle ne s'est pas débloquée, non? Beaucoup sont devenus les ennemis de Mafo parce que Mafo ne s'est pas débloqué. Il y a le soya, pain soya, maman, qu'on vend ici à Saint-Denis, pain brochette.
Je n'ai pas trop mangé hier, maman. Je ne voulais pas trop manger. Je ne voulais pas trop entendre les histoires de nourriture. Mais pourquoi hier les gens restaient assis? Conceline était une femme qui s'amusait. Francis Levray a dit quoi? Ah, Anna Liliane Kelly, maman, une supportrice que... Merci mon bébé. Je suis ta patronne, hein. Warriors, votre ancien père fait maintenant le make-up. Warriors, c'est que elle m'appelle à 6h. Il faut lui dire qu'elle et moi n'est plus ensemble. Je ne sais pas pourquoi elle me réveille. Je ne sais pas pourquoi elle me réveille à 5h. Je dors, elle me réveille pour dire que je suis partie au dé avec la corde. Écoutez-moi, hein. Elle m'appelle. Elle m'appelle, hein. Oui, oui, tu ne pouvais pas prendre l'assiette, t'asseoir pour qu'on te paye, la, on donne l'argent. Tu viens seulement avec la corde. Maman, est-ce que c'est à moi de m'asseoir sur la chaise assise? Warriors, toi et moi, on n'est plus ensemble. Je ne sais pas pourquoi tu me réveilles quand je dors avec mes vrais gars, maman. Je suis allée dormir avec mon gars, tu me réveilles et puis j'ai décroché. Allô, oui? Tu ne pouvais pas porter la scie, t'asseoir pour qu'on vienne cotiser, tu pars avec la corde. Ah bon, hein? Ouais, maman. La femme là, elle est en Suisse, elle est chez son vieux blanc. Elle cherche le mariage. Vous l'avez pas vu qu'elle est calme? Le blanc là, c'est pas que c'est une chercheuse. Le blanc là n'est pas au courant que c'est une chercheuse de problème à Facebook. Donc, elle est là-bas en Suisse, chez un blanc. Quand tu vois où elle est, si tu sens que le blanc a dit que, tu sais que les blancs n'aiment pas Facebook. Ta patronne Wario, c'est en Suisse. Elle me demande ces choses. Elle m'appelle. Allô? Oui, quelqu'un. Ta copine a montré son ventre sur Internet. Je dis que, mais c'est moi, c'est son ventre, non? Elle dit que oui, ta copine Gossa a montré son ventre. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas un beau ventre. Elle dit que laisse ma copine tranquille. Laisse ma co. Elle dit que quoi? Eh, tu peux pas lui dire, maman, c'est mon enfant. Quelqu'un m'appelle pour me dire que j'ai dit que l'autre, ma copine a monté le ventre. J'ai pas de FedEx. Oui. Ça ne sent pas, hein. Ne pense pas que j'avale, je n'avale pas. C'est délicieux, 8 minutes. Les gens qui vendent le pain viande là. Je n'ai pas mangé le pain viande du deuil hier. J'ai oublié d'emballer. Et comme j'étais là avec ma caméra pour suivre les femmes là, que la personne qui emballe, je filme. Les tubes étaient bons, hein. J'ai mangé 2 tubes là, c'était vraiment bon. C'est vraiment bon. S'il te plaît, ma faut prononce plus le nom. Ne prononce plus le. Ah! Elle me dénigre. Hein? Quand le clash elle et moi va commencer, elle va comprendre n'importe quoi. Elle me dénigre qui? Elle me vaut. Je fais 1m68. Elle fait 1m2. Le genre de gars que tu es couché au lit avec. Et elle ose dire qu'une femme qui dirait que comment elle fait tac tac sur son pistache. C'est elle qui veut pas vraiment. Elle boit ma bière. Qu'elle cherche son blanc en Suisse doucement, hein. Je vais comment? Tout droit? Voilà. Ok. Je pense qu'elle va m'aimer ma mère en juillet au Cameroun. Il faut qu'elle parte. Ouh là là. Prendre légèrement à droite sur boulevard Anatole France. Anatole M410. France. Putain. Boulevard Anatole France. Oh là là. Oh là là. Putain. C'était là-bas.
Ok, c'est bon, commence les choses. Ça, c'est pour partir de la Herbourg. Bon. Oh, toi avec ta Mercedes, vas-y. Et alors? Putain. Mais les gens conduisent ici comme des malades. Hein. Tu te dis, mais c'est quoi ça le truc? Prendre à gauche sur rue Jules Saulnier, N412. Je la scène de vie, je comprends pas. Je sais pas si... Dans 500 mètres, tournez à gauche à avenue du président Wilson, N1. N1, ok. Les gens qui s'assoient seulement derrière Facebook pour parler que wow, c'est monté, c'est descendu là. Vous n'êtes pas venu au deuil. Vraiment, après de prendre Facebook et faire les directs là, il faut respecter les gens. Hein. Il faut respecter la patronne que je suis. Restez un peu, ne me calculez pas. Moi, je veux qu'on parle de moi parce que je suis star. Et j'ai besoin aussi que vous parlez de moi parce que j'ai besoin de gagner des contrats. Tournez à gauche à avenue du président Wilson, N1, puis utilisez n'importe quelle voie pour tourner à gauche sur avenue du président Wilson. Hein? Non, j'ai pas le droit. Putain. Le problème c'est que, oh là là, c'est pas possible. Marcher Saint-Denis, oh là là, oh, attends, je vais mettre un truc. Parking Carrefour Saint-Denis. Résultat pour parking Carrefour Saint-Denis sur votre trajet. Prendre la direction sud-est sur N412 vers avenue du président Wilson, N1, puis tourner à gauche à avenue du président Wilson. Oui, j'attends le feu rouge. Non, t'inquiète, je ne sais pas, mais je ne sais pas attacher. Nous sommes en France, je suis française dans mon pays. Ne vous n'oubliez jamais ça. Que vous allez me gagner ailleurs, mais ici en France, non. Vous ne pouvez pas. Vous allez me gagner ailleurs, mais ici en France, non. Dans mon pays, ici en France, non. Utilisez n'importe quel. Surtout que je suis connue par les autorités comme blogueuse. Bossang était là. Elle a le billet d'avion, maman. On n'a pas encore payé son salaire de Facebook. C'est une vieille sapate des temps d'Aïdjo. Ce soir, j'ai ma soeur aussi. Donc, on va partir. Ouais, je vais faire comment, mais... Oh, on a des invitations de ça. Oh, quand tu es une star, maman. Il n'y a pas la star maya dans la famille. Mais il y a la star maya dans la belle famille. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux ne pas être star dans ta famille, mais tu es star dans ta belle famille. Parce que les gens qui nous connaissent disent toujours que tu es qui? Le sabotage de ça. Elle est qui dit non? C'est une fille qu'elle voit tous les jours, non? On la voit ici tous les jours. Ouais, c'est normal parce que vous êtes de la famille. Apprenez à respecter le statut de tout un chacun. C'est de ça qu'il s'agit. Continuez hein? Sur N1 pendant 1 km. Attends un peu. Quand je salue qui? Mon père est mort en 2013, chérie. Tu as compris? Je n'ai pas de père. Je suis orpheline. J'entends les gens pleurer qu'ils sont orphelines là. Moi, je suis orpheline et je dis, je réitère que je veux les clashs. Dites à votre star là-bas des ténébreuses que elle s'assoit et fait le direct sur moi. Et elle et moi, on commence les clashs. Et que personne ne bloque personne. Hein. Voilà. Il faut arrêter ça, dis donc. Je n'ai pas de père, chérie. Je suis orpheline de père. Ma faute, elle est où? D'où est partie aux Antilles? D'où elle est partie en Guadeloupe. Hein. Elle va nous envoyer des belles photos de la maillot de bain. Et on va poster.
Je te fais un gros bisou. Coucou Doudou, je sais que tu me regardes. Hein. T'inquiète, je fais pas de bêtises. Ok? Je te fais des gros bisous. Depuis la Guadeloupe, tu es trop belle. Oh là là. Oh là là, tu es trop mignonne. Pas les pète-pète des sales choses. Les sales choses dans le noir avec la cigarette qui sent les pipis, la cigarette et tout là. Imbécile au carré. Imbécile, même si j'étais lesbienne, je peux t'assumer. Tu es trop. Franchement, tu vas toujours sentir mes caleçons, mes pètes blanches et te m'assumer. Tu as compris? Quand on assume une femme, on la mène partout. Regarde-moi la saleté comme ça. Sans parler, tu fantasmes. T'as que tu prends les perruques d'une femme. Tu sens ça, tu te masturbes. C'est incroyable, hein? Adeline est où depuis? Adeline est là, elle dort. Adeline est là, elle dort. Ouais, mon Dieu, Fleur de Lille, on va te tuer. On dit que tu es bordée. Maman, les cœurs, est-ce que tu es bordée? Vous m'avez vu avec qui un jour? Oh, elle est bordée. Non, moi, je connais pas ça. Moi, je sais que j'adore, j'ai mes fantasmes. Mais la corde attachée là. Non, attachée la corde là. Aïe, maman. J'ai mon fantasme quand il pleut un peu comme ça là, que tu es dans la chambre, que tu es en carabote. Que ça tape la toiture, ton gars et toi, la nièce de ça. De, ok. On me parle que quoi? Flo Kungansa, Gatinga. Oh, ma soeur chérie, il faut que vienne à Strasbourg. Ouais. J'ai les dossiers là-bas. J'ai les consultations là-bas. Maman. Je suis décoratrice, hein, les gens. Je suis décoratrice d'intérieur. Oh. Donc, les gens qui veulent que je décore leur maison. Vous me faites, je vous fais une consultation. Je suis encore à l'école, elle n'est pas finie. Mais arrête un peu le ridicule. Tu veux que je te bloque? Arrêtez un peu le ridicule. Vous voulez que je vous bloque, monsieur? Que vous foutez le camp de ma page? Alors je vous bloque, vous foutez la paix de ma page. Le ridicule. Regarde-moi celle-là. Tu n'as pas mangé depuis le matin, c'est pas de ma faute. Va travailler. Espèce de gigolo assis chez une femme en train de regarder la télé. C'est dimanche, tu es en train de regarder téléfoot. Regarde-moi le travail d'un homme. Tu es venu en France t'asseoir pour regarder téléfoot et regarder les journaux de TSC si tu as gagné les bingo. Les bingo. Tu es venu jouer au bingo? Hein? C'est vrai, les fans me disent, Mafo, tu aimes trop lire les commentaires. Toi, tu es arrivé en France pour t'asseoir chez une femme et jouer au bingo. Au lieu de travailler, tu rêves, tu vas dans les tabacs, le crédit de ça. N'importe quoi, va travailler chérie. Je peux passer un coup de fil à ta femme. Elle te jette tes affaires par le 20e étage dans la poubelle. C'est de ça qu'il s'agit. Dis que gnac. Je dis tout de suite. N'importe quoi. Tu vas pas t'asseoir. Je suis à Balévin. Ah, là où, là où on a contesté le chemin. À Balévin, les blancs de l'ouest, Balévin, les vantards, les Balévin sont les vantards, les doigts là de Tchang. Hein? Tu es là où on a contesté le chef du village là. Il va être que chef et je vais faire la campagne de l'enfant là. Vous aimez trop détourner. Il fait comment? À le parking, hein? Ouais. Vous aimez trop détourner. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça au pays. Dès qu'on a un notable, les bamileke et la notabilité, maman. L'enfant là peut payer avec quoi? Un enfant de 7 ans, on l'a mis notable, chef dans un village. Il faut voir les contestations de ça, maman. Un petit village au gros cœur. Ils ont contesté. Ouah. Oh là là. Mes cœurs, j'entre au parking, je suis arrivée à Saint-Denis. Donc, mais je tourne la caméra, vous allez voir. Ouh, maman, si la police est là, j'ai traversé. Maman, Saint-Denis, parking. Et c'est
dimanche. Prendre à gauche sur rue Édouard Vaillant. Je suis arrivée. Ben, je le connais déjà. Je vais dans le parking. Ouais, mon Dieu. Le tarot coûte cher. Si j'ai envie de manger le tarot. Sincèrement, je vais faire ma kéro. Ouais, ce soir, je suis fatiguée, je vais dormir. Je vais dormir ce soir. La corde est fermée, c'est pour m'attacher. Hey, la police. Que chaque blogueuse go d'abord passer le permis de conduire. Le B en bas. Avant de venir parler à la reine, je sors les cordes là, je mets derrière. Je vais attacher ma chèvre de Borsangue avec. Bon, faut que je m'attache pas quand on me baisse. On écarte mes pieds, on bouffe mon. Et on me bouffe, c'est tout. D'accord? On ne m'attache pas, je suis une dominatrice. Donc c'est moi, je donne les ordres et puis on se met à quatre pattes, j'écarte et puis on bouffe, c'est tout. C'est pas que on m'attache pas. Je ne pas au restaurant. Je ne voulais pas aller. C'est quand je pars au restaurant. Donc t'attache. Et dans tout ça, tu ouvres ta grande gueule. Tu veux parler aux gens. Moi, je tourne à Paris quand je veux. J'ai ma voiture. Et mon Dieu. Continuez tout droit, puis vous arriverez à destination. Les filles comme ça, passe ton permis, putain. Là, je suis à la Bastille Saint-Denis. Parking la Bastille. Pensez que je me cache où je vais. Parking la Bastille. Oui, je suis arrivée. Merci, chérie. Parking la Bastille. On ne m'attache pas, moi. Moi, on me bouffe. On me mange. D'accord? On me mange bien comme il faut. Et je prends mon pied comme ça. Voilà, c'est tout. J'écarte et on bouffe ça bien comme il faut. Pas les brouteurs. Je t'excite. Je suis malade. J'adore ça, tu vois. J'écarte mes jambes, tu me bouffes comme tu veux, quoi. Aïe, le coup de ça. Je vais te faire un bébé. Non, c'est pas possible. Chérie, bouffe-moi, s'il te plaît. Vas-y doucement. Pas de gros mots sur cette passe, c'est pas des gros mots. Je vais te faire. Machumba, je vais te faire les enfants. Oh la gueule, je vais te faire les gros bébés. Ok. Chérie, mon cœur. La Bastille, oui. Mon cœur. J'écarte, bouffe-moi, chérie. Droite-moi. Vas-y doucement, ne me blesse pas, s'il te plaît. Monte d'abord tes mains, je veux voir si c'est propre. Mon cœur, prends-moi bien comme il faut. Vas-y, mon amour. J'ai envie de me garer. Attends, Julie, je voulais me mettre pour monter directement en haut, là. Je fais comment je continue. J'ai envie de... Là où il y a les escaliers. J'ai envie de manger, je sais pas. Je mange au restaurant. Voilà, le refuge est ouvert. Oh, elle est laisse. Maman, parrain, c'est pas ici. Je crois, c'est là. Attendez, je fais un petit mal. Ouais, toi aussi. Ouais, vraiment. Oh, vraiment les Africains. Hein. Voilà. Ok. Je ne sais pas si c'est là. Hein. Je pense que c'est là ou pas. Mais j'ai envie d'aller là où il y a les escaliers là. Oh mon amour. Oh, bouffe-moi mon cœur. Aïe bébé. Oh mon cœur, s'il te plaît. Tu me fais mal, bébé. Tu me fais mal. Doucement. Non, c'est pas ici. Oh là là. Non, c'est pas là. Je voulais chercher là où.
Je cherche où on monte aux escaliers direct. Tata Julie, c'est pas là. C'est avec qu'il devait aller tout droit. Oh mon cœur, s'il te plaît, bébé, ne me fais pas merde. Moi ça, chérie, écarte. Écarte, allez, écarte, oh, écarte, chérie, pisse. Porte quoi les saletés de ça. Mon cœur, écarte. Écarte, mon amour. Ah, mon cœur, prends-moi, s'il te plaît. Est-ce que je peux venir dans ta bouche? Lui, viens dans ma bouche, chérie, vas-y. Est-ce que je peux? C'est comme ça qu'on fait l'amour. On ne fait pas l'amour à la sauvage, on dirait les gens. Mon cœur, s'il te plaît. Ouvre bien, s'il te plaît. Tu me fais mal, mon cœur, mon amour, bébé. Aïe, mon cœur. Pourquoi tu me fais mal, mon amour? Je cherche là où il y a. Je cherche l'endroit là. Merde. Saint-Denis, je suis en train de chercher un endroit là, les gens. Là où on garde, on monte les escaliers là. Wesh. Je ne connais plus.